compris quand même qu'on ne peut pas nous enlever, nous les Marseillais. On a sorti la vanne de l'année 2013. Ne cherche pas, elle est indétrônable. Marseille, capitale européenne de la culture. Cette vanne, elle est tellement énorme que même Catherine Barman, elle l'a comprise, elle a mis 20 sur 20. Et il y a eu un sondage à la question « Êtes-vous déjà allé au théâtre ?» 76% des Marseillais ont répondu « Non !» 76%. Et 20% ont répondu « Ouh !» Je le fais qu'ici, ce sketch, hein. Moi, avec ma femme, ça va encore plus pour s'entendre. Tenez-nous, par exemple, 4 fois par mois, il se fait une sortie, resto et discothèque. Moi, tous les vendredis, elle, tous les samedis. On s'entend super bien. Et on s'est aimé dès notre première rencontre. Et je me souviens, la première fois qu'on a fait l'amour, je lui ai demandé « C'est moi ton premier ou ton deuxième ?» L'éternelle question purement masculine de savoir s'il n'y a pas trop de vieux dossiers derrière. Eh, les gars. Et elle, elle m'a répondu « Je sais pas, mais ta tête, elle me dit quelque chose, en tout cas. » En plus de ça, cerise sur le pompon à la caisse, je me suis pris cette vieille devant toi. Tu sais, quand une passion, un fantasme au moment de payer, c'est de toujours vouloir donner la peau. Toi, t'es derrière, à un moment donné, tu n'en peux plus. Tu as envie de dire à la caissière, combien elle doit, la vieille, combien elle doit? 1 euro, 2 euros, 5 euros. Allez, tiens, dégage. Il devrait y avoir un couvre-feu pour les vieux dans les grandes surfaces. Après 17h, terminé, c'est la meilleure. Ben écoutez, après ces excellents conseils, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Mariez-vous, faites des gosses, et puis si c'est déjà fait, tant pis.